Un film qu'on s'est fait nous-mêmes. Et une fois que c'est la réalité, bah cet amour disparaît à cause de quoi? À cause de mon comportement. Je fais fuir mon conjoint. Hein, au lieu de l'attirer, je le repousse. Je crée un fossé. À cause de ma manière de vivre, mon comportement, mes réactions, etc. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de consolider un amour ou de fonder un amour? C'est ma manière de réagir, ma manière de vivre et de me comporter. C'est pour ça, la vie de mariage, c'est un jihad extraordinaire de tous les jours. C'est un jihad de tous les jours, subhanallah. Ta femme, c'est la seule personne avec qui tu passeras le plus de temps partout. Tu aimes tes parents, mais tu dors pas avec tes parents. Tu aimes tes parents, à un moment donné, tu quittes la maison. Ta femme, tu manges avec elle, tu dors avec elle, tu sors avec elle, tu fais tout avec elle. Conclusion, elle te voit dans tout, sous toutes tes facettes. Quand tu es bien ou quand tu n'es pas bien. Quand tu es en forme ou quand tu n'es pas en forme. Quand tu es fatigué, quand tu es en colère, sous toutes tes facettes. Et c'est comme tu réagiras dans telle situation que tu arriveras à la rapprocher de toi ou l'éloigner. Et c'est la même chose pour la femme. Bon, je ne vais pas m'amuser toujours à parler au masculin après au féminin. Vous comprendrez que quand je parle de la femme ou de l'homme, en fait, je parle des deux. Quand il y a une exception, je la dis. D'accord? Sinon, on va mettre deux fois plus de temps. Vous comprenez? Si on doit traduire à chaque fois du féminin au masculin. Donc, si tu es en état de colère, et quand tu es en colère, tu dis n'importe quoi, tu frappes, tu rejettes, crois-moi que ça va créer une brèche dans l'édifice qui s'appelait l'amour, le cœur. Et une brèche, plus une brèche, plus une brèche, que tu ne colmates pas, la personne s'éloigne de toi. Deuxièmement, pour aimer quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une loupe pour agrandir ses qualités. Parce qu'il se peut que mon conjoint n'ait pas beaucoup de qualités ou bien il en ait des petites. Voilà, Kin. Ne jamais sous-estimer une qualité. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui divorcent et qui disent, bah, allez, cette femme, je vais la jeter, je vais en trouver une autre. Mais ce qui n'est rien. Ils croient que l'autre qu'il va trouver, elle sera parfaite. C'est ça. Allez, pourquoi tu veux divorcer de ton mari? Parce que il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Vous avez remarqué, on cite toujours les défauts. Hein? Sois juste, cite-moi les qualités, je suis là. Il y en a quand même. Bon. Vas-y, t'as divorcé de lui, tu vas reprendre un autre, t'es bien d'accord? Ouais, je vais attendre un peu pour me faire une santé, puis je reprends un autre. Celui que tu vas reprendre, il n'aura pas de défaut? Alors là, si vous me dites qu'il n'en aura pas, je baisse les bras. C'est que vous n'avez rien pigé. Il aura des défauts. Comment tu vas faire avec lui? Madabza, il divorce. Et le numéro 3, il n'y aura pas de défaut? Ben, tu vas changer de mari tous les 6 mois. Conclusion, ce mari, il a des défauts. Je ne parle pas des défauts insupportables. Hein. J'en parle pas les défauts haram là. Moi je vous parle des défauts du quotidien. Il faudra que je fasse avec lui et il faudra que je trouve une solution à ces défauts-là. Ça pourra être la patience ou ça pourra être une certaine pédagogie que je devrai adopter pour le corriger. Mais en tout cas, pour aimer quelqu'un, il ne faut pas voir uniquement ses mauvais côtés, il faut voir ses bons côtés. Il faut être positif et optimiste. Si vous êtes négatif et pessimiste, vous n'arriverez à vivre avec personne. Donc pour aimer quelqu'un, vous avez intérêt de ragrandir ses qualités à vos yeux et de les mettre en valeur. Wallah, il y a une sœur, Miskina, elle est en instance de divorce, séparation. C'est-à-dire depuis à peu près 1 an maintenant, le frère il a quitté sa maison, elle vit toute seule avec les enfants. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit, cette sœur? Elle m'a dit. On ne connaît l'importance d'un mari que lorsqu'on le perd. Tu dis, ouais, après tout ce qu'il t'a fait? Elle me dit, Wallah, je voudrais bien, ouvrez vos oreilles, qu'il soit là, ne serait-ce que pour vider la voiture quand je ramène les courses ou sortir la poubelle le matin. Ouais. C'est-à-dire, son mari, si elle a divorcé, c'est parce que ça n'allait pas. Vous êtes bien d'accord? Bah maintenant qu'il n'est plus là,
Bah, elle a vu qu'ils servent à quelque chose quand même. Mais ça, c'est des petits trucs au quotidien, comme ta femme. Hein? Shaitana, la frita, wa'ara. Vas-y, débarrasse-t'en une semaine. Allah, tu la ramènes, mon frère, et tu la supplies de faire la vaisselle. Rien que la vaisselle. Viens, viens, chérie, viens. Fais la vaisselle, ne fais rien d'autre. Insulte-moi matin, midi et soir. Façon de parler, vous me comprenez. On ne connaît la valeur et l'importance de quelqu'un que si ben, on le perd ou quand ben, il y a un vide. C'est pour cela une des méthodes extraordinaires pour que l'amour continue à exister. Vous savez, c'est quoi? C'est de se mettre dans la peau de l'autre. Eh oui. Et de s'imaginer ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Pour ça, pour être un bon mari, une bonne épouse, il faut être un fin psychologue avant tout. Eh oui, beaucoup, beaucoup de psychologie. C'est-à-dire se mettre dans la peau de l'autre. En bon français, c'est le hadith qui dit aimer à son prochain ce que l'on aime à soi-même. Et ne pas vouloir à l'autre ce que l'on ne veut pas à nous-mêmes. Comment faire pour que l'amour aussi, il continue, il reste? C'est, et ça c'est une réalité, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Imaginez-vous le pire. Oui, je vous raconte des histoires de femmes qui ont des maris monstrueux. Or là, votre mari va prendre de la valeur à vos yeux. Vous allez dire, ah, j'ai de la chance, je suis bien nourri quand même, je suis bien logé. De même, les frères. Wallah, on a de la chance d'avoir des épouses comme les nôtres. Parce que vous verriez le hala dans laquelle sont des gens. Et c'est vrai, moi qui vous parle, alhamdoulillah, je veux dire, ça va bien avec ma femme, j'ai pas à me plaindre, au contraire. Mais quand je m'en vais, puis j'essaie de résoudre les problèmes dans les couples, ben je reviens chez moi. Vous savez ce qui se passe? Ma femme, c'est une princesse, mais quand je rentre, elle devient une impératrice. C'est-à-dire que elle avait autant de valeur à mes yeux, et je pensais que c'était le top, elle ne pouvait pas en avoir plus. Mais dès que je vois la Hormskin avec qui il vit, ah ben je dis punaise, cette femme que j'ai, elle est extraordinaire. Vous comprenez? Allez, il faut comparer, mais pas dans l'autre sens. Hein. D'accord? Faut pas comparer dans l'autre sens. C'est-à-dire, faut pas sortir et voir une belle femme, du moins une femme qui. Bref, et rentrer et dire oh là là, ma femme elle est. Non. Il faut voir une diablesse, on va être drôle, tu vas voir que ta femme c'est un ange. Ouais? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a de la chance. Et il faut lui donner de la valeur pour qu'on l'aime. Car une chose qui n'a pas de valeur, est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes pas. Logique. Donc il faut toujours valoriser pour aimer. Et pour pouvoir valoriser, il faut voir les qualités et la place de la personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit aux femmes? Il dit aux femmes qu'elles sont ingrates. Beaucoup d'épouses sont ingrates, c'est-à-dire qu'elles ne remercient pas assez leur mari, elles ne reconnaissent pas l'importance du mari. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que des femmes sont ingrates. Elles sont ingrates envers leur mari et elles ne peuvent pas s'en passer. C'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de critiquer vos maris, vous n'êtes jamais satisfaite, mais en réalité, vous ne pouvez pas vous passer de votre mari. Conclusion, soyez pas si ingrate, voyez quand même la valeur de votre mari. Il est très important, il a beaucoup de poids aux yeux de Dieu et qu'il en ait aussi à vos yeux. Pour que l'amour aussi, il soit présent, vous savez ce qu'il faut? Il faut se rappeler les bons moments. Quand on est en période de difficulté, il faut se rappeler les bons moments. Hein, toujours faire un petit flashback et se dire, ah oui, il y a 6 mois c'était comme ça, au début du mariage c'était comme ça. Tu sais, te rappeler le bon côté des choses pour que ça te donne du punch et que ça aille de l'avant. Et ensuite, pour que l'amour dure, il faut acheter le cœur de la personne. Et quelles sont les méthodes pour gagner le cœur de quelqu'un? Un, la langue. D'ailleurs, c'est elle qui cause beaucoup de problèmes dans le couple, la langue, Hadi. C'est elle qui fait enfermer, là. Donc, ça commence avec quoi? Avec des bonnes paroles, des belles paroles. Wallah, vous pouvez transformer la vie de quelqu'un avec une parole, une seule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dites du bien ou taisez-vous. Mais c'est avec ta femme
ton mari qu'il faut appliquer ce hadith, pas avec les étrangers uniquement. Rentre chez toi, ta femme elle te met en colère, tu veux dire du mal? Stop, j'ai pratiqué la sunna. Je veux dire du bien. Et voilà. En fait, la sunna, vous savez, c'est quoi? C'est une manière de vivre au quotidien 24 heures sur 24. Le prophète, sa femme le met en colère. Elle lui lance une bombe. C'est ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, et en plus, c'est toi qui prétends être prophète. C'est voilà. Si on prend ça à la lettre, c'est du kofr. Non? Mais le prophète, il se retourne et puis il lui fait un sourire. Aïe. Allez, moi, ma femme, elle me dit ça. Je me mets en colère, je lui mets une droite. Je l'insulte. Façon de parler, hein, si c'était moi. Moi-même, je la destroy. Est-ce que j'aurais résolu le problème? Là, wallah, je ne l'aurais pas résolu. Pourquoi le prophète n'a pas réagi? Parce qu'il sait très bien qu'elle a parlé comme ça, parce qu'elle était en colère. Il sait très bien que c'est son petit shaitan qui l'a démarré. Conclusion, il lui a fait un petit sourire. Laisse-la se calmer, et après, il va revenir la corriger. Vous avez vu ce qu'il faut? Faut savoir se taire. Ne jamais dire de mal. C'est pas l'envie qui manque parfois. Hein. Dans les deux sens. Hein. Oh, parfois, tu as envie de vider ton sac. Mais qu'est-ce que tu vas résoudre comme solution, comme problème? Aucun. Au contraire, quand il y a des problèmes de couple, vous savez qu'est-ce qui se passe? Tel jour, il m'a dit ça. Ah oh, non, j'ai jamais dit ça. Ah oh, si, tu me l'as dit. Non, c'est toi qui as dit ça. Vous avez vu? Tout est une question de tu as dit, j'ai dit. Non? Non, tu as mal écouté. Ah, oh, t'as mal compris ce que j'ai voulu dire. Non, en fait, t'as dit ça parce que tu pensais ça. Ah, cela, tu t'en sors plus. Conclusion, faut savoir se taire et ne jamais dire de mal. Par contre, il faut être très bavard pour vivre en couple. Mais bavard dans le bien. L'amour, vous savez quoi? C'est des gestes et des paroles. Allah, et s'il n'y a pas la parole, si tu dis pas à ta femme, je t'aime, à tout bout de champ, hein? Mais tu vas, je mène la parole, je t'aime. C'est vrai, subhanallah. Le prophète, il dit, tu aimes quelqu'un, tu le croises, il faut lui dire. Ça fait plaisir que tu dises à quelqu'un, je t'aime bien. Non, tu n'es pas obligé de dire le verbe aimer, il y a d'autres verbes. Mais exprimer tes sentiments avec la parole, croyez-moi que ça a énormément d'impact sur le cœur de la personne. Là, on a tendance à dire à notre femme, je t'aime, vous savez quand? Quand elle est malade. Quand elle est dans l'agonie. Elle n'en a plus besoin. C'est quand ça va pas. Et on veut, tu sais, c'est quand tout va bien qu'il faut lui dire. Et quand ça va pas aussi. Mais quand ça va bien, il faut lui dire. Tu sais pourquoi? Ça ira encore mieux. C'est logique, c'est normal.